Vous êtes peut-être sur la plage avec le transistor posé sur la serviette et si les restes du pique-nique de ce midi sont à côté de vous, par pitié, jetez-les à la poubelle. C'est l'appel lancé par l'association SOS Grand Bleu. Ce matin, elle a mené une opération coup de poing sur la Côte d'Azur. Une trentaine de plongeurs ont nettoyé les fonds de la rade de Villefranche au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et Jacques Terrance, ce que ces plongeurs ont trouvé fait froid dans le dos. Exactement, William, puisque près de 800 kilos de déchets ont été ramassés. Difficile à croire, hein, surtout au pied des riches villas de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Pourtant, écoutez ce qu'il y avait dans le sac de deux plongeurs, Xavier et Gwendal. Là, j'ai retrouvé un vieux balai, j'ai une tuile, j'ai un bout de résine, des batteries en plomb, un morceau de plomb. Des caoutchoucs, des sacs plastiques, un bout d'assiette en plastique, du verre, des bouteilles qui sont jetées à l'eau. Et la liste est longue, hein, des pneus usagés également ou encore du mobilier de jardin. Mais à quelques mètres, Isabelle a fait une plus grosse découverte encore. Plein de morceaux de bateau, ça doit être un bateau quasiment entier qui a été ramené par la mer. Et donc on a tout récupéré et donc là on va les sortir les unes après les autres. Et donc on est quatre apnéistes à remonter les choses. Il est bien plein ce sac, hein. Il est bien plein et je vous assure qu'on va en remonter encore pas mal. Des choses qu'on peut pas rater. Parmi les plongeurs, il y avait aussi un biologiste marin, Aurélien, pas vraiment enthousiaste sur l'impact environnemental. Il y a des déchets plastiques qui vont se dégrader et avoir des petites particules plastiques. Et là, les poissons, ils vont les gober et puis après, c'est nous qui les mangeons. On paiera tous nos actes, hein, un jour ou l'autre. Voilà, et surtout n'allez pas croire que l'objectif c'est de nettoyer la Méditerranée. Ces bénévoles savent bien que c'est impossible. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est sensibiliser le grand public à faire davantage attention.